Le groupe BPCE représente aujourd'hui 36 millions de clients, mais également 108 000 collaborateurs. Nous souhaitons, et notre ambition est d'apporter à nos clients le meilleur de la relation humaine et du monde digital, et nous souhaitons également apporter cet équilibre et cette ambition auprès de nos salariés. Sous l'impulsion de Sébastien Maire à la DRH Group, nous avons initié il y a 2 ans la dématérialisation des dossiers du personnel. Nous avons choisi l'outil BVRH d'ADP qui nous permettait de répondre à nos enjeux également de sécurisation des données et d'intégrité au respect de notre documentation RH. Pour gérer ce projet au niveau groupe, nous avons associé bien évidemment nos entreprises, nos services RH qui ont participé à nos ateliers de conception, notamment nos ateliers de conception du plan de classement pour pouvoir arriver à un plan de classement commun partagé par toutes les entreprises du groupe. Quand nous sommes dans une situation de mobilité, le salarié n'aura plus besoin forcément d'aller redonner les mêmes pièces en physique puisque ces pièces existent déjà en numérique et peuvent être facilement transmises à l'entreprise qui va accueillir le nouveau salarié. Puisque nous avons des responsables RH qui sont disséminés au niveau du territoire et qui doivent parfois pouvoir avoir accès en même temps au dossier du même collaborateur. Donc nous avons une fluidité de l'information, un accès de l'information qui est vraiment facilité. Nous avons d'ailleurs calculé un ROI au démarrage de ce projet qui nous permettait de mesurer concrètement le gain économique engendré grâce à ce temps efficace à la fois d'accès à l'information en immédiat et à la fois un gain de temps pour l'absence de recherche dans les archives. Les résultats, ce sont 55 entreprises qui utilisent le BVRH, ce sont 7 millions de documents numérisés au sein de cet outil et ce sont 80 000 dossiers de collaborateurs actifs. Nous avons également plus de 1500 utilisateurs experts RH qui utilisent au quotidien cet outil. Le BVRH constitue la première brique de dématérialisation RH. Bien sûr, nous allons nous appuyer sur cette première brique qui est solide pour pouvoir aller vers du tout numérique. Nous avons, il y a quelques semaines, initié nos premières signatures de contrats de travail électroniques. Nos dirigeants et nos salariés sont engagés dans cette aventure du tout numérique.